Chers amis, avec le nouvel an chinois, à l'année rat de métal succédera l'année buffle de métal. Nous passerons ainsi d'une année yang active à une année yin plus sereine. Elle sera placée sous le signe du labeur et de la stabilité. Il va falloir redoubler d'efforts pour donner un souffle nouveau à nos projets. Cet animal, à la force tranquille, nous incite à œuvrer d'arrache-pied pour un avenir meilleur. Le 13 février, je vous dirai tout sur votre signe astral 2021. Né sous le signe du rat, vous irez vers les autres cette année avec beaucoup de facilité, charmeur et accueillant. Vous vous taillerez une réputation d'hôte charismatique, une façade étincelante qui contrastera avec votre personnalité plutôt taciturne dans l'intimité. C'est le moment d'apprendre à mieux gérer les disputes dans votre couple. Communiquer davantage vous aidera à sortir de cette impasse. Vous semblez souffrir d'une offense passée. Votre tempérament rancunier ressurgit souvent et au lieu de vous expliquer, vous attendez des excuses qui ne viennent pas et vous finissez par vous impatienter. C'est l'heure des bonnes résolutions. Si vous apparaissez sous votre meilleur jour, espiègle et romantique, votre partenaire verra en vous un être délicieux. Ce sera alors l'heure des grands projets. Célibataire, en 2021, il y a de la rencontre dans l'air. Mais soucieux de ne pas précipiter les choses, vous garderez de prudentes distances. Vous n'aimez guère que l'on vous lise trop vite. Il en faudra davantage pour écarter de vous un natif du singe fort téméraire, de la confiance, de la patience, de la tolérance. Ce sera plutôt ça l'idée. Et c'est tant mieux, car c'est ce qu'il faut pour consolider un couple. Travail. Plus de méthode, plus de discipline, soyez pro. Voyez l'année comme un marathon, plus que comme un sprint. Vous serez en ce début d'année un champion de l'esprit d'équipe. En vous montrant capable de collaborer avec les autres, vous changerez le regard de certains de vos collègues porte sur vous. Cependant, vous pourriez regretter d'avoir baissé la garde après certaines relations professionnelles. Alors prudence, prenez le temps d'analyser les conditions de votre ascension et soyez suffisamment malin pour entreprendre d'âpres négociations. Professionnellement comblé, vous aborderez la fin de l'année avec sérénité et quiétude. Un désir d'expansion lié au mouvement Yang vous amènera à tourner le regard vers l'étranger.